anciennement Didier Drogba. Aujourd'hui rebaptisé comment ? Je dois vous avouer que c'est un honneur pour moi. Tout d'abord, parce que c'est la première fois que j'arrive sur vos terres. Et pour une première, être nommé de la sorte, ça n'a pas de prix. Donc je tiens, dans un premier temps, à vous remercier pour cet accueil, pour cet honneur que vous me faites. Merci beaucoup. Mon passage ici n'est pas anodin. Au-delà de ce qu'on vient faire avec la Fondation, Didier Drogba et la Fondation Ipon, je viens pour vous saluer. Je viens vous apporter mon soutien. Je viens pour vous apporter à vous et à toute la Côte d'Ivoire ma compassion dans ces périodes difficiles qu'on a traversées. Et ma présence ici et mon intronisation, vous voyez, je porte ces habits fièrement. Ça montre que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Au-delà des ethnies, au-delà de nos diversités, on est un seul et même peuple. Il y a des divergences, des désaccords, des incompréhensions, des injustices de part et d'autre. Mais au fond, Sa Majesté, nous sommes tous ivoiriens. Et j'en profite pour souhaiter mes condoléances à notre fils qu'on a perdu ici lors des émeutes. On ne l'oublie pas. Et on doit prier, on doit s'asseoir, on doit dialoguer, on doit échanger, on doit se comprendre pour ne plus que nos enfants subissent le même sort. Je ne suis pas politicien. Je suis ivoirien. Nous sommes tous ivoiriens. C'est vrai, on fait tous la politique chez nous. On a un avis, on a une pensée. Mais au fond, qu'est-ce qu'on souhaite? C'est que la Côte d'Ivoire aille bien. Donc vraiment, je vous remercie pour toute la diplomatie dont vous avez fait preuve pendant toute cette période. Les forces de l'ordre aussi qui ont joué leur rôle. Et surtout cette jeunesse, c'est à vous que je m'adresse, cette jeunesse. On n'a qu'un seul pays, on l'a souvent entendu. Mais restons unis. Ce qu'on vient faire aujourd'hui, c'est pour vous montrer que la Côte d'Ivoire, c'est le pays de tout le monde, de tous les Ivoiriens. Et donc vous avez le droit aussi à ce qu'on vienne vous aider. Vous avez le droit qu'on vienne vous accompagner. Vous avez le droit qu'on vienne vous supporter. Et c'est la raison de ma présence aujourd'hui. Et c'est la raison de la présence de la Fondation IPON aussi aujourd'hui. Merci encore, Sa Majesté. Vraiment, merci pour l'accueil. Merci pour tout l'amour que vous me donnez. Tout l'amour que vous me portez, ça n'a pas de prix. Donc les mots que je viens de vous dire ne sont pas suffisants.